adapter l'évangile à notre époque, à nos réalités. C'est ça. Si on n'adapte pas la parole de Dieu à nos réalités, c'est un problème. Le jour qu'il y a un problème d'Ebola, quand vous venez à vous conseiller, on dit non, ne touchez pas, ne salez pas les gens. Or, quand il y a une réalité, quand il y a un problème, Dieu apporte la solution. Le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et depuis que nous avons commencé à communiquer sur Internet, au départ, ça ne m'intéressait pas de parler. Si vous avez vu au départ nos vidéos, vous avez peut-être me dit bonjour. D'autres me disent, ah, le prophète, il n'est pas grand. À ce moment-là, je suis conscient de ce que j'en ai fait. Parler des terrains fétiches. Ouais. Dans les cercueils, on amène les passeports des gens, les esquelettes des gens. Oui. Dans les cimetières, on amène les passeports. On va dans les tombes. Oui, on a trop fait des choses. Déterrer la chair humaine, on déterre la chair humaine. Trop de choses par la grâce de Dieu. C'est justement.